J'ai eu un peu de mal, mais bon, je m'entraînerai pour l'année prochaine. Mais c'est vraiment une belle, belle manifestation pour une belle cause. Donc voilà, bravo à tous et bravo effectivement aux bénévoles. Ils en ont besoin, donc n'hésitez pas à venir voir. Voilà, bonne journée à tous. Djilali, mets-toi de ce côté pour laisser Sacha au milieu. Djilali, s'il te plaît, mets-toi là à la troisième place. Voilà, 1, 2, 3, comme le podium pour la photo. Merci Djilali. Applaudissements s'il vous plaît pour ce podium de choc. Sacha, Adrien et Djilali. Merci messieurs, rendez-vous pour le Trail des Sangliers, si même à Valeruc le 24 janvier ou l'année prochaine pour une nouvelle édition. Merci beaucoup, merci aussi pour vos commentaires. C'est celle-là, Jean-Marc. Voilà, tout simplement. Monique qui sera récompensée. Messieurs, dames, je vous demande pour ce podium de charme une standing ovation, Corinne, Nathalie et Monique. Merci beaucoup mesdames, rendez-vous vous est donné l'année prochaine, si ce n'est le 24 janvier. Voilà messieurs, dames, applaudissements s'il vous plaît pour ces premiers catégories d'âge minimes, cadet, junior, espoir, senior, V1, V2, V3, V4, V5. Bravo messieurs. Le 5 km, il y avait Christophe en joulette. Voilà, c'est donc Bernard Coquille en personne qui va donc clôturer cette remise des récompenses catégorie d'âge féminine. Et je vais vous demander, chers spectateurs et spectatrices, d'applaudir une dernière fois les lauréats catégorie d'âge féminine version 2015, foulée valoricoise. Voilà, merci beaucoup. Allez, on enchaîne avec la remise des récompenses du 13 km 500. Le podium masculin, on va appeler les trois d'un coup. Je vais vous dire, 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 je